Passionné de voile et de course au large, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je vous résume l'actualité de la course au large, normalement tous les mercredis à 18h, je sais c'est la deuxième fois en deux semaines que je retarde, mais aujourd'hui exceptionnellement vendredi à 18h, puisqu'il y avait en fait, j'ai eu une coupure d'internet déjà, faut le savoir, j'ai eu une coupure d'internet, et en plus il y avait l'arrivée hier de The Ocean Europe, plus l'arrivée de, enfin les dernières arrivées de la mini Fastnet, donc j'ai préféré attendre aujourd'hui pour sortir Actu Large, c'est pour ça qu'il sort aujourd'hui. Aujourd'hui du coup dans un premier temps on va parler de The Ocean Europe qui est arrivé hier avec une arrivée de fou chez Imoca, enfin un bateau qu'on n'attendait pas et qui est très loin devant, une arrivée de fou chez les Volvo 65, enfin vraiment une course de fou. Ensuite on va parler de la mini Fastnet qui n'a pas été au Fastnet, mais on va en parler, on va voir pourquoi et on va voir la course, comment elle s'est passée. Et enfin on parlera des classes 40. Parce que c'est un peu la folie, un peu comme chez Imoca, c'est un peu la folie en ce moment chez les classes 40. Donc on va en parler. Je vous rappelle que si vous voulez rien louper des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Et si vous voulez me retrouver en live sur Twitch, je suis en live quasiment tous les soirs, vers 16h30, 17h, jusqu'à 19h, voire 20h, voire 21h si je suis vraiment en forme. Mais ça dépend, voilà. Et bah du coup, on commence avec The Ocean Europe, maintenant. Mais quelle étape de folie. C'était n'importe quoi. On va lancer le tracker. C'était vraiment n'importe quoi. Hein. Franchement, alors pas d'air déjà. Bon, toute l'étape, pas beaucoup d'air et tout. Et surtout des grosses stratégies. Regardez. Hop, on a plusieurs bateaux qui vont vers le large. Et on a deux bateaux qui restent à la côte. Enfin, les Volvo restent à la côte. Et chez les Imoca, il y en a deux qui vont à la côte. Et le reste qui va au large quoi, c'est de la folie. Et regardez, le pire c'est que bah après on a un Imoca qui était parti plutôt à la côte, bah qui finalement va plutôt au large. Et on a bah un petit bateau là qui s'échappe, qui part tout seul dans son coin. Et vous allez voir que bah ça a fait mal quoi, ça a fait mal. On voit que voilà les Imoca du coup bah les Imoca foil dans ces conditions là sont vraiment pas bons quoi. Alors j'ai déjà entendu les gens dire « Ouais, regardez les Imoca, en fait, c'est de les foils, c'est de la merde et tout. » Alors, calmez-vous les gens, hein, c'est des conditions un peu bizarres là. C'est vraiment pas des conditions pour les Imoca à foil. Mais dans certaines conditions, l'Imoca à dérive droite, tu le mets face au foil, il fait du surplace. Hein. Mais voilà, là c'était du prêt, pas beaucoup de vent et tout. Enfin, c'était vraiment pas des conditions idéales. On va l'accélérer un peu le temps. On voit que déjà voilà les Volvo mettent déjà une pilule. Et surtout bah, on a ce petit Imoca là, tout seul dans son coin. Et vous allez voir que bah ouais, c'est. Ça fait mal, ça fait très mal. Alors pourquoi le fait de passer à la côte est bien? Parce que quand vous êtes proche des côtes, vous profitez des effets thermiques, vous profitez des effets de côte. Et en Méditerranée, c'est très important vu qu'il n'y a pas beaucoup de vent en Méditerranée généralement. Bah c'est très important de profiter des petits effets dus à la côte, des petits vents thermiques dus à la côte. Et regardez ça, mais regardez ça, c'est monstrueux. À ce moment-là, on va faire un petit point à ce moment-là. Chez les Volvo 65, c'est Salim Poland qui est en tête, suivi par Mercury Foundation Racing Team, Akzo Nobel Ocean Racing, Amber Sail 2, Team Shipbuild 1, Viva Mexico et The Ocean Race Project. Et chez les Imoca, regardez juste l'écart. Regardez juste l'écart. Non, là on est encore chez les Volvo 65. Hop. 54 000 entre eux. Offshore Team Germany et Linkedot. Eleven Hour Racing Team est 3ème. Bureau Valley 4ème. Et Corum L'Épargne 5ème. Regardez déjà l'écart qu'il y a. Et ça va pas s'arrêter quoi. Cette option elle était monstrueuse. L'option de Team Germany était monstrueuse. Et à partir de ce moment là, bah, qu'est-ce qu'il restait à faire? Se recaler devant les autres et c'était fini, fin de l'histoire. Voilà, tout simplement, fin de l'histoire, tu te cales devant les autres et les autres derrière sont bloqués. Alors que bah, Team Germany suit bah, les Volvo quoi. Qu'est-ce qui explique aussi le fait que bah, Team Germany soit aussi bon? Bah, quand il n'y a pas beaucoup de vent, les foils ça va rien, ils sont même plutôt gênants. Et quand il y a du prêt aussi. Et du coup, bah, Team Germany avec sa dérive droite, avec ses dérives, bah, était plutôt bon. Alors on va regarder l'arrivée des Volvo 65, qui sont très proches l'un de l'autre.
et on regardera les IMOCA après. Et regardez les tout petits écarts, et là ça devient un peu la roulette russe, hein. Les conditions sont pas top, et voilà. Et celui qui a mené un bon moment, bah, finit par se faire dépasser. Et on va regarder du coup le classement. Ah voilà, l'arrivée de tous les Volvo 65. Et voilà, tous les Volvo 65 sont arrivés. Donc on a eu la victoire de Mercury Foundation Racing Team avec son petit virement là, son petit décalage au large qui a réussi à passer. Suivi par Axonobel Ocean Racing, Sailing Poland 3ème, Team Chiboud 1 4ème, Viva Mexico 5ème, Amber Sail 2 6ème et The Ocean Race Project 7ème. Mais là voilà, on va regarder chez Imoca, et chez Imoca ça fait mal aussi, hein. 33 000, ils ont repris un petit peu, mais 33 000 quand même. On va regarder l'arrivée du coup. Et donc oui, qu'est-ce qui fait que les Volvo sont arrivés devant les Imoca, et que bah du coup aussi Offshore Team Germany est arrivé devant les Imoca à Foyle? C'est que bah les dérives droites dans pas devant et dans au près, ils sont pas mauvais, ils sont vraiment pas mauvais. Parce qu'ils traînent moins, leur dérive fait que bah ils dérapent un peu moins. Enfin, il y a beaucoup de choses qui font que les Imoca à dérive sont meilleurs au près, dans pas beaucoup de vent et au VMG portant. C'est les trois choses où ils sont meilleurs que les Imoca Foil. Par contre, sur les autres choses, voilà, les Imoca Foil sont largement au-dessus. Mais là, on voit que du coup, bah c'est grâce à ça et à son option côtière. Offshore Team Germany a vraiment mis une belle pilule. Donc au classement là, ça a fait Offshore Team Germany du coup qui arrive en premier, suivi par Linkdot, Eleven All Racing Team, Bureau Valley et Corum L'Épargne, arrivé 5ème. On va regarder le classement général, parce que le classement général aussi prend en compte les Inshore. Donc au classement général chez Imoca, du coup c'est Offshore Team Germany qui mène avec 14 points, suivi par Linkdot 13 points, Eleven All Racing Team 12 points, Corum L'Épargne 7 et Bureau Valley 5. Les trois là, ces trois bateaux là se battent pour la victoire. Puisque sur l'étape de l'Inshore, Genova, donc Gen Coastal Race, donc la course côtière, il y a 3 points distribués. On peut le voir sur celle qui avait eu à Cascais, 3 points distribués. Pour les trois premiers. Donc imaginons que Offshore Team Germany ne remporte aucun point. Et que Eleven All Racing remporte 3 points. Il serait 13, 14, 15. Il passerait à 15. Mais il faudra aussi que Linkedot marque aucun point. Si Linkedot marque plus de points, marque par exemple le même nombre de points que Offshore Team Germany, ça se jouera sûrement au meilleur classement. Et là, bah, ça serait Offshore Team Germany avec une victoire. Ah non, il y a aussi une victoire pour Linkedot, c'est vrai, sur la Ligue 2, donc ça se jouera sur le reste. Et sur le reste, il y a un peu plus de... Il y a des plus belles manches du côté de Offshore Team Germany. Là, on voit 3-1, 3-2, donc ouais. Il y a plus de belles manches. Ah oui, non, ça c'est l'Offshore. Donc je sais pas trop comment ça se jouerait. Ça se jouerait sûrement du coup sur la... Sur celui qui a les plus belles manches, donc là, à voir. Mais Linkedot peut encore l'emporter s'il met 2 points de plus du coup que Offshore Team Germany. Donc c'est ultra serré là, ça va être vraiment super cool à suivre. L'étape, enfin la course côtière qui a lieu samedi chez les Volvo 65. Mercury Foundation Racing Team est en tête avec 18 points, suivi par Axonobel Ocean Racing 17. Pareil là, 1 point d'écart, ça va se jouer sur la dernière race. Sailing Poland est 3ème avec 15 points, donc 7-8. Il peut égaliser, mais il faudra que Mirpuri Foundation Racing Team ne marque 0 points, donc il faudra qu'ils finissent plus de 3ème. Ça va être compliqué. Pas impossible, mais compliqué. Donc il y a encore une minuscule chance ici d'au moins revenir à égalité, mais la victoire se jouera plutôt entre ces deux-là. Team Chiboud 4ème à 12 points. The Ocean Race Project 5ème avec 10 points.
Umbersail 2, 6ème avec 9 points. Là, ça peut s'échanger les places. Là aussi. Et Via Mexico, 7ème avec 8 points. Voilà. Voilà pour la pour The Ocean Europe. Course, vraiment, c'est génial. Cette course, elle est vraiment trop cool. J'espère qu'il y en aura d'autres éditions parce que c'est vraiment, elle est vraiment pas mal. C'est vraiment cool. Mais de toute façon, il y aura The Ocean tout court. The Ocean Race autour du monde. Donc, ça sera, là, ça sera vraiment de la folie. Voilà. Bah, du coup, on a fini avec cette The Ocean Europe. Et on passe à la suite. Et la suite, c'est la Mini Fastnet qui est partie la semaine dernière. Donc, le 13 juin. Et qui devait aller, du coup, au Fastnet, comme d'habitude. Mais les contraintes sanitaires et les contraintes de météo ont fait qu'ils sont allés plutôt à la bouée BXA en sortie de... En sortie de Gironde, donc on va suivre cette course qui s'est passée. On va regarder. Hop là, et c'est parti. Déjà, comme d'habitude, souvent des bateaux qui rentrent rapidement. Et on voit que la course est assez serrée. Hein. La course est assez serrée dans la tête. Bon, après, il y a toujours des bateaux directement assez largués. Hein, mais il y a toujours des très vieux bateaux sur la mini. Enfin, sur les courses de mini, il y a des très vieux bateaux, des bateaux plus récents. Des skippers amateurs, des skippers amateurs très éclairés, des professionnels, enfin il y a tout, donc c'est assez logique qu'il y ait souvent des gros écarts entre les premiers et les derniers. Par contre, en tête, c'est assez proche. Donc la passage de l'île 2, qui était une des marques aussi obligatoires. Et là, on va aller à BXA, avec un bateau quand même assez en tête là ici, avec un petit peu d'avance. Mais ça s'est pas joué quand même à grand chose. Vous allez voir que voilà, c'est quand même relativement serré, ça s'écarte pas trop quoi. On a un petit duo à l'avant quand même. Mais une bataille, on a quand même une bataille. Ce que je veux dire, c'est que c'est serré entre les deux premiers. Après, il y a quand même de l'écart par contre. Il y a quand même eu de l'écart par la suite, mais entre avec la suite de la flotte. Mais à l'avant, ça s'est quand même battu quoi. On voit la flotte qui remonte du coup vers l'occidental de Saint. Donc qui est ici. Hein. Un beau parcours du coup, même si voilà, il n'y a pas le mythe du Fastnet. Qui est vraiment un mythe, qui est un endroit magnifique où je suis allé une fois. Et c'est vraiment magnifique, c'est mythique. Là, le parcours n'en reste pas moins intéressant. Et c'était plus sécure niveau... Le problème, c'est que la météo était pas spécialement bonne et que si un bateau abandonnait du côté de l'Irlande, il se retrouvait en fait à devoir faire une quarantaine. Et là, vous voyez, alors par contre, on voit qu'ici, là, il y a eu un écart. Là, il y a eu du gros écart qui a été fait. Juste au passage de l'Occidental, en fait, bateau bien ralenti, donc. Voilà. Ça s'est fini avec plus d'écart, mais on va dire que la généralité de la course, une grande partie de la course, a été assez serrée. Alors du coup, on va continuer à regarder la suite. Et on va mettre aussi, du coup, le classement. On va regarder les autres arrivants en même temps, hein, on les voit arriver au fur et à mesure. Mais du coup, chez les protos, c'est le 969 Pogo Foiler qui a gagné, comme d'habitude. On commence à avoir l'habitude, hein. Il gagne souvent. Suivi par Teamwork et Pays d'Iroise, le 850, qui a fait une très belle course. Et après, on a Deco Sail et Irina Krasheva Racing. Donc, ouais, que des bateaux qu'on connaît et qu'on voit régulièrement sur les courses mini et qui font régulièrement des beaux classements. Et le 19e, c'est le 727 ACME. Chez les séries, c'est le 886 qui a gagné Alftolheim. Il est au point site, suivi par le 893. Et le 914. Chez les séries, ça change beaucoup plus les classements, les gens qui sont devant et tout. Ça change plus souvent puisque les bateaux sont plus proches les uns des autres, plus identiques. Du coup, on a des écarts qui sont beaucoup moins grands qu'entre les protos, quoi. Voilà. Et bah du coup, on a fini avec cette mini Fastnet qui a été juste passionnante à suivre. Comme beaucoup de courses en mini d'ailleurs. C'est vraiment génial le mini. Du coup, on a fini avec cette mini Fastnet et on passe maintenant à la suite. On parlait il y a une semaine de la classe Imoca
qui est en ce moment en pleine ébullition. Cette semaine, on va parler de la classe 40 dont on avait déjà parlé, mais qui vit en ce moment une période assez folle, avec des mises à l'eau il y a peu et des mises à l'eau qui arrivent. Dans les mises à l'eau passées, on peut par exemple parler de Eden Red, le classe 40 à l'étrave arrondie de Emmanuel Le Roc, qui participera à la tournée de Jacques Vabre avec Pierre Quiroga, un très beau duo qui a vu son bateau toucher l'eau le 11 juin dernier. Un autre skipper a vu son nouveau bateau toucher l'eau. Il s'agit de Aurélien Ducrot, qui a mis aussi un classe 40 à l'étrave ronde à l'eau. Le bateau s'appelle Croxol et il a touché l'eau le 7 juin. Ce sera aussi un bateau à suivre sur la tournée de Jacques Vabre. Nous avons aussi eu la mise à l'eau du classe 40 Volvo du Belge Jonas Gerken, qui va tenter de rebondir malgré l'annulation de la course au large au JO. Parlons maintenant un petit peu des bateaux qui restent à mettre à l'eau. Car sur le site de la classe 40, ils sont pas moins de 5 classes 40 à être annoncés, dont celui de George Wisher, un spécialiste du classe 40, qui avec le havrais Renaud Courbon, risque de faire des étincelles sur la Jacques Vabre. On a aussi le classe 40 à venir de Nicolas Détet, et Aura de Rupert Henry, la boulangère bio de Amélie Grassi, et enfin Influence de Andrea Fernaro. On voit donc que la classe 40 est super active, et ça fait super plaisir. Les courses vont être super intéressantes, à commencer par Les Sables Horta qui part le 27 juin. On suivra ça très attentivement dans ActuLarge. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à la commenter et à la partager. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater les prochaines vidéos. Et si vous voulez aider financièrement la chaîne, n'hésitez pas à la fermeture sur Utip ou Tipeee. Les liens sont dans la description de la vidéo pour regarder une publicité ou une vidéo. Ça ne vous coûte rien et moi ça m'apporte quelques centimes. Et si vous souhaitez faire un don, bah c'est possible aussi sur ces deux plateformes, voilà. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo sur la chaîne Toria. Et du coup, ciao tout le monde. Ciao.